Des cadres écartés, Belmadi fait une grande révolution dans l'effectif de l'Algérie. En effet, la volonté de Jamel Belmadi de rajeunir les effectifs de la sélection nationale est très perceptible dans l'identité des joueurs contactés. Avec un Badreddine Bouanani qui brille à Nice malgré ses 18 ans et un Jaouen Adjam qui fait les beaux jours de Nantes alors qu'il n'a que 19 ans, les intentions de Belmadi sont claires. Surtout si l'on ajoute des joueurs pétris de qualité comme le Toulousain Fares Chaibi, 20 ans, ou le latéral de Wolverhampton Ryan Ait Nouri, 21 ans. Même si pour cela, il va devoir abandonner certains cadres de l'équipe, y compris ceux qui sont là depuis son arrivée en 2018. D'ailleurs, c'est ce qui est prévu avec au moins deux cadres à l'occasion du stage de mars. L'on pense certainement à ceux qui n'ont pas beaucoup joué ces dernières semaines, donc manquant de compétition ou ceux qui ont connu une baisse dans la qualité de jeu. Plusieurs sources bien informées parlent notamment de la décision de Belmadi d'écarter plusieurs cadres à l'instant de Raïs Mboli, Aïssa Mandi, Youssef Belaïli ou encore Ramiz Zerouki.